Toutes les séries se regardent en VO. J'adore mes camarades qui font du doublage, mais vraiment, regardez les séries en VO. I May Destroy You de Michaela Coel, qui est exceptionnel. Je ne vais pas tout raconter, mais c'est l'histoire d'une autrice qui est en panne d'inspiration et qui part dans un bar et en fait qui subit une agression sexuelle. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle parle, elle travaille sur ce qu'est l'amnésie traumatique et on fait l'enquête avec elle de rechercher ce qui lui est vraiment arrivé. C'est une série incroyable. En fait, je fais ça avec toutes les séries. Faut le savoir que quand je regarde une série, vous ne me voyez plus. Je peux, voilà, d'une manière compulsive, commencer et puis oublier qu'il faut s'alimenter, se doucher et aller travailler. Voilà, et donc des fois, si je vous réponds pas, c'est peut-être que je suis en train de regarder une série, en fait. Alors, j'ai un peu honte parce que je sais que c'est une série qui est super. Better Call Saul. I'm a humble lawyer, merely trying to ply my trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow, you got a mouth on you. Thank you. Mais je sais pas pourquoi. En fait, j'ai regardé le premier et puis j'ai pas accroché. En fait, j'étais en attente, je pense, de quelque chose et voilà. Et du coup, bah évidemment, j'ai acheté le coffret, hein, mais je l'ai pas regardé. Ça devait être un moment de ma vie où j'étais pas bien. Je sais pas. En fait, aucune série, parce que c'est le propre des gens obsessionnels, c'est que si vous me racontez, je peux vous tuer, enfin, c'est-à-dire que je peux perdre des amitiés, etc. Ça m'est arrivé notamment avec mon frère, parce que moi j'étais en décalage de Game of Thrones, et au bout d'un moment, il me donne une info que je n'avais pas. Voilà, et comme c'est mon frère, je ne l'ai pas tué, mais j'avais vraiment envie de le buter, quoi. C'était horrible, quoi. Enfin, je déteste les gens qui font ça, franchement. Et donc, I May Destroy You. Non, je rigole. La suite de The Good Fight, parce que je suis pareil un peu en décalé. Aller acheter la série en coffret, ça prend du temps. Et du coup, ma copine Céline Sciamma m'a raconté sans faire exprès ce qui se passait dans la saison d'après. Something's going on. I've had cases disappear when the judge was given memo 618. Memo 618. Donc j'attends avec impatience que le coffret sorte. En fait, moi, c'est pas, j'attends pas que les séries elles sortent. J'attends que les coffrets ils sortent. Vraiment, je suis désolée de me répéter. I May Destroy You, Michaela Coel. Vraiment, vraiment, regardez cette série qui est d'une intelligence rare. Et si vous ne regardez pas, je vous retrouverai.